tout le monde, c'est Daphné Valsin. C'est un plaisir, vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment, c'est vrai, mais je suis content que vous retourniez avec nous. Là, j'espère que pendant tout le temps, nous ne nous pas trouver, que vous continuez à appeler, parce que moi-même, je continue à appeler pour me gagner plus de bagages pour me dire avec vous. Donc là, on est de retour, pour une troisième saison, et j'espère que vous pourrez aimer le contenu que nous avons apporté pour vous, parce que nous allons parler avec écrivains comme d'habitude, nous allons rencontrer les gens qui travaillent toujours dans le domaine de ces livres-là. On va visiter la bibliothèque, etc. Donc, c'est tout un pile bagaille vraiment que nous parlons pour vous. Mais j'espère que vous allez toujours continuer à brancher sur Télé20 avec sur toutes les réseaux sociaux, Ticket Magazine, chaque mercredi, 8h, pour ne pas manquer rien du tout dans son apporté. Alors oui, on est de retour pour une troisième saison, mais c'est surtout grâce à support proche qu'on a toujours dit que faut que nous recommencer, faut que nous continuer. Mais c'est parce que tout, il y a des gens qui croient dans le projet et qui décident de supporter. Donc, c'est grâce à sponsor en pile tout que nous là. Moi, j'ai Heineken 00 qui fait rejoindre nous, qui est sponsor officiel émission pour saison ça. Moi, j'ai Belle Optique qui était là dès le début et qui est toujours là. Moi, j'ai tout Focal avec Titato et j'ai Studio de Beauté Beauty qui occupe les cheveux. Moi, j'ai Lamourousse qui est toujours déplacé pour venir aider m'habiller. Moi, j'ai Gaël Alexis qui fait maquillage. Moi, donc vraiment, c'est toute une équipe, vraiment tout un village qui permettre que moi qu'arriver la carrière aujourd'hui. Pour l'émission d'aujourd'hui, notre invitée c'est Valérie Lamy. Valérie Lamy est éducatrice, directrice d'école. Nous allons vraiment commencer cette saison ça tout en douceur. On a commencé depuis à la base tout, parce que Valérie Lamy va venir parler nous de qui genre que ou qu'a commencé inculquer l'amour pour faire livre pour lecture la qualité mon depuis là tout petit. Moi invite au fin suivre cette émission qui va dérouler dans le bureau Valérie Lamy. Et voilà, je suis avec Valérie Lamy, enfin, dans le local École Mix Les Mentors. Valérie, ça fait tellement longtemps que même moi-même, je ne suis pas fin quoi que là. Ça fait déjà plus d'un an, parce que tu demandes cette rencontre. Donc, c'est ça. Donc, nous avons vraiment voulu que Valérie fasse parler ça avec nous. Donc, mais Valérie, merci vraiment d'avoir finalement accepté mon invitation. Et là, comment ça va? Comment... Je suis très bien, je suis contente d'être avec toi finalement. Merci Daphné, merci de m'avoir invité, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc, moi vraiment je voulais que Valérie fasse parler ça avec nous, mais avant que je m'entraîne dans le vif sujet, Valérie, je vais présenter tout pendant que tu es là, donc au cas où on t'y présente. Je suis Valérie Lamy, éducatrice préscolaire. Je suis la directrice de Fremont Kindergarten et de l'école Mix Les Mentors. Et je suis passionnée par tout ce qui est petite enfance, tout ce qui a rapport avec le développement de l'enfant en général, tout ce qui a rapport avec l'apprentissage en général pour les petits enfants. Et je viens de commencer avec BTT, qui est une compagnie qui fait des poupées à la main, des héroïnes de l'indépendance d'Haïti, justement toujours dans le but de trouver des manières intéressantes d'apprendre aux enfants, d'apprendre sur leur pays, d'apprendre sur leur histoire. Et donc c'est ça. Non, pour retourner au fur et à mesure que nous avons parlé, je suis sûre que vous apprenez plus de Valérie. Mm-hmm. Mais Valérie, là, où dans le domaine de l'éducation, et pour moi honnêtement, quand j'y repense, il y a très peu de monde dans la génération que je connais qui a fait ça. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers ce domaine? Je viens d'une famille d'éducatrices. Ça a commencé avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma maman. Nous sommes toutes des éducatrices. Donc, je pense que le chemin avait été déjà tracé pour moi. Et justement, chose... on parle de ça, c'est que les trois tracés que tu as voulu faire quelque chose d'autre? Non, je ne vais pas dire ça parce que depuis petit, justement, je participais à toutes les activités qu'on faisait à l'école de ma maman. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné de voir, et jusqu'à présent, ça continue à me passionner de voir qu'un enfant qui vient te trouver à peut-être un an, et puis là où mes parents lit à, je ne sais pas, 6 ans au kindergarten, et puis un petit peu plus grand au primaire, et puis de voir la transformation, de voir que tu es responsable de cette transformation-là. Non, vraiment, je pense que c'est passionnant. Oui. Mais des fois, très souvent, nous, quand on dit que bon, l'éducation, comment ça se fait, la façon dont ça se fait en Haïti, mm-hmm. il est assez archaïque. Donc, il est nécessaire, effectivement, que l'élève l'a assuré, que mm-hmm. d'autres personnes, des gens plus jeunes, qui ont une nouvelle vision, Félix. Donc, mais vous-même, avec bon, les mentors et puis Fremont aussi, nous avons une approche qui est assez différente. Tout le monde ça m'a dépassé. Donc... Bon, l'approche que nous avons à Fremont et à l'école Mix Les Mentors, c'est que vraiment, on veut que l'enfant soit acteur de son apprentissage, tu vois. Donc, tout ce qu'on fait, vraiment, ça passe par le jeu ou bien par des activités thématiques, quelle que soit la leçon que nous faisons. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui nous suit ou bien quelqu'un qui est plus ou moins habitué avec notre méthode va voir qu'on fait beaucoup d'activités
Mais ce ne sont pas des activités que nous faisons juste pour le plaisir de les faire. Ce sont des activités qui ont été travaillées avec les enfants. Et pour clôturer justement ce thème-là ou cette leçon, on organise une grande fête où l'enfant peut vraiment vivre et faire l'expérience de ce qui a été appris pendant une semaine ou bien un mois. Bon, exemple de par exemple de activités que nous faisons. Bon, comme je t'ai dit, on a des activités thématiques, c'est-à-dire si on prend une leçon comme, allons dire qu'on étudie les astres ou bien les fusées, etc. Donc automatiquement, on va organiser comme une fête, là où les enfants peuvent s'habiller en astronaute et puis on va peut-être construire des planètes, de fausses planètes, etc. Leur permettre de voir, d'expérimenter, de toucher, on essaie de reproduire, peut-être pas pour les planètes, mais pour d'autres thèmes, on essaie de reproduire vraiment les textures, les différentes choses, parce que quand ça passe par le corps de l'enfant, ça reste plus longtemps et puis c'est beaucoup plus amusant aussi. Parce que même toujours pensé que pour problème moi me gagne avec géographie, c'est que pour moi il était tellement théorique que même pas j'aime connait nord et sud. C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour moi parce que étudier la géographie dans un livre, c'est tellement difficile. Bon, malheureusement, c'est juste c'est pas moi, j'ai pas moyen d'aller montrer aux enfants voici le nord, voici le sud, mais on essaie quand même d'organiser. Par exemple, on peut organiser une activité qui a rapport avec les différents départements d'Haïti, justement, là où chaque département est représenté. Donc, même si l'enfant ne peut pas aller, j'essaie d'apporter à l'école des expériences pour les enfants, pour leur permettre de vivre le maximum de choses possibles, d'aventures. Et là, pour les mentors, c'est plus d'une trentaine d'années, alors que pour Frimousse, c'est déjà 7 ans, au moins pour Frimousse. 8 ans à Frimousse. Ah, oui. Moi, j'ai une tête, moi, on a dit 2021. Oui. Donc, Frimousse a fêté ses 8 ans cette année. Oui. Donc, mais là, où il y a des gens qui commençaient avec vous et qui ont fini, qui allaient dans la primaire. Et c'est quoi le feedback qu'ils ont? Est-ce qu'on sentit que les gens allaient vraiment plus épanouis, les allaient rentrer dans l'autre école, etc.? Le feedback en général, c'est où je veux retourner à Frimousse, je veux retourner à les mentors. Parce que c'est quand même un choc aussi pour l'enfant de sortir d'un environnement où il y a tellement d'activités et souvent de se retrouver justement dans le système haïtien que nous connaissons. Tu vois? Donc vraiment, des fois c'est difficile pour les enfants de faire la transition, mais on les prépare. Cette année particulièrement, on les prépare beaucoup, on leur explique ce que ça va être, comment est le primaire, on ne peut pas se promener comme ça dans les classes, etc. Donc oui. Même pour les mentors, nous avons le primaire. Oui, on a le primaire à les mentors. Il y a des enfants qui restent, il y a des enfants qui décident d'aller ailleurs, ou bien il y en a qui partent. Donc, ceux qui restent au primaire, ici avec nous, on a la chance justement de continuer à leur offrir ce genre d'activité-là. Un petit peu moins qu'au kindergarten, d'ailleurs il y a plein pour ça, mais oui, on essaie. Donc au moins la base était déjà là. C'est ça. Mais là, ce qui nous amène ici, c'est lecture, moi je suis bagaille que j'aimerais, mais avant tout, toi-même, tu lis? Je lisais. Je lis de moins en moins, mais je veux recommencer à lire. Je me suis fixé un objectif cette année de lire un livre par mois. Là, on est au mois de février, je suis à la moitié de mon premier livre. Non, mais c'est ça, quand on commence ça avec les responsabilités, c'est difficile. C'est très difficile. Et puis le soir, la lecture nous mène quand même un minimum de concentration, que le soir, après une journée de travail, tu n'as pas toujours, tu vois. Donc, mais j'essaie, je veux recommencer à lire. Donc, mais toi-même, en tant qu'éducatrice, qui genre que, ou qui importance ou web lecture la gagne? Parce que des fois, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas lu, parce que. Parce que sous poser formation, il y a tellement d'autres moyens de se former, etc., que des fois, lire peut paraître comme une corvée. Toi, comme éducatrice, comment vois-tu la lecture? Bon, moi, je pense que la lecture a toute son importance parce que ça t'ouvre sur le monde. Tu es vraiment connecté à différentes cultures, différentes pédagogies, différentes manières de penser. Donc, je trouve que vraiment encourager à lire, c'est vraiment stimuler le cerveau des enfants, stimuler leur imagination, stimuler leur curiosité. Il y a beaucoup de choses que la lecture apporte à un enfant ou à un adulte d'ailleurs que peut-être d'autres moyens d'apprentissage ne peuvent pas forcément leur apporter. Et vous autres, là, nous dans l'école, côté petit, nous commençons très petit. Parce que il y a des fois, il y a très rare de expérience, pas très rare pour des monde qui pas jamais de connaître les autres petits monde qui viennent commencer vraiment les. Oui, ça va commencer très jeune. Donc, nous-mêmes, est-ce que nous avons une politique pour encourager petit monde, qui ça que nous fait pour pousser au souvoir ça? La politique que nous avons ici à l'école, que j'espère que la plupart des écoles ont aussi, c'est que nous avons notre bibliothèque à l'école, là où on encourage les enfants au moins une fois par mois à choisir un livre qu'ils peuvent emporter à la maison pour lire et puis revenir peut-être faire le résumé pour nous, mais partager avec leurs amis. On essaie aussi de faire de temps en temps des petits clubs de lecture. D'ailleurs, je t'avais invité une fois justement à Frimousse, là où on avait organisé comme une sorte de club de lecture où les enfants peuvent partager
l'histoire qu'ils ont lu, comparer peut-être, ah, j'ai préféré ce livre, j'ai pas aimé ce livre, voilà pourquoi j'ai pas aimé ce livre. Donc ça les encourage à lire et justement quand il y a un échange qui est fait après la lecture, ils sont encore beaucoup plus motivés parce qu'ils savent qu'après ils doivent venir raconter à leurs amis. Mais dans le temps où nous vivons là maintenant, mm-hmm. c'est que c'est tellement plus facile de donner une tablette mm-hmm. à l'enfant mm-hmm. plutôt qu'un livre. Oui, effectivement. Sauf que la tablette, malheureusement les écrans, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Ça n'a pas toujours les meilleurs effets sur le cerveau des enfants. Encore les plus petits qui ont un cerveau très vierge, qui sont en train d'apprendre. Et l'écran, en général, ce n'est pas recommandé. Et je le dis à tous mes parents, à toutes les personnes que je rencontre en général, si on pouvait éliminer les écrans complètement, je sais que ce n'est pas facile. Parce que des fois, exactement, on dit, mais c'est ça, je veux faire. Non, mais si on commence tôt à apprendre à l'enfant à aimer la lecture, il va même sur boîte tablette là. Moi, je connais des enfants qui ne sont pas intéressés du tout par les tablettes parce qu'à la maison, il y a un travail qui a été fait où les parents, depuis le plus jeune âge, depuis le berceau, ils ont pris l'habitude de lire avec les enfants. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils ont préféré lire que la tablette? Mais si vous allez justement y venir, ça peut, mm-hmm. peut-être que l'école l'a bon rôle, mais il y a beaucoup de choses que les parents aussi doivent faire de leur côté. Mm-hmm. Et peut-être que ce n'est pas tout parent qui a le temps pour le lire avec tout le monde, parce qu'on ne doit pas... J'entends souvent cette phrase, c'est pas tout parent qui gagne temps, mais il faut créer du temps. Je ne peux pas ne pas avoir de temps. C'est-à-dire que je ne demande pas à un parent de lire une heure de temps, je ne demande pas à un parent de lire 30 minutes, je demande 10 minutes. Si le parent prend 10 minutes pour lire à son enfant, ça fait déjà une grande différence. Je sens la différence avec les enfants à l'école, entre les enfants pour qui, justement, on fait la lecture. Le langage est beaucoup plus développé, ils sont beaucoup plus concentrés parce qu'ils ont l'habitude de rester à la maison pendant 10 minutes pour écouter une histoire et que les parents les questionnent sur cette histoire-là. Il y a vraiment une différence entre les enfants qui passent tout leur temps sur la tablette. 10 minutes. Non, mais et nous-mêmes, c'est vrai, c'est en fait, le processus d'apprendre mm-hmm. à lire, c'est nous-mêmes qui faisons avec Timoun. Et des fois, peut-être que Timoun apprend à lire, mais tellement corvée qui fait que lui voit toute cause lecture comme corvée. C'est pour ça qu'en général, au jardin d'enfants particulièrement, il faut que tout passe par le jeu. Dès que l'enfant sent que ça devient trop compliqué, ça devient trop difficile, ça demande trop de concentration et que c'est trop sérieux, automatiquement l'enfant a tendance à repousser un petit peu l'activité. Tandis que si on crée justement des choses attrayantes, des activités attrayantes qui puissent permettre à l'enfant de tomber en amour avec ce que tu essaies de lui apprendre, automatiquement ça passe facilement. Parce que quelqu'un de tout qui vient nous lire parce que tu as quoi étudier parce que dès que tu lisais avant c'est juste que tu vas étudier et après on va arriver au stade de gens qui lisent et qui ne comprennent pas. Bon, si tu lis quelque chose que tu aimes, une histoire que tu aimes, que tu peux raconter à ta petite sœur après, ça c'est une bonne méthode aussi. Les enfants qui ont les petites sœurs, les petits frères, c'est toujours intéressant de demander à l'enfant lis pour ta petite sœur ou bien lis et puis va raconter l'histoire à ta petite sœur. Les enfants aiment montrer que yo pi grand, j'ai pu lire, je peux te raconter une histoire, tu vois. Donc il y a beaucoup de manières de motiver un enfant et de l'intéresser justement à une activité particulière. Mais bon, l'autre partie tout, c'est que en Haïti par exemple, des fois production de livres là, il pas surtout pour livres pour enfants, il pas fin trop grande, ce qui vient faire que les enfants vont se tourner vers des histoires et des réalités que qui pas non. Qui pas réalité du tout, des histoires qui pas chita du tout dans la réalité. Donc, est-ce que pour toi même par exemple, il y a une ligne de poupée qui raconte les histoires des héroïnes, est-ce que connait là est-ce que ça nous penser pour qui a aidé changer bagaille ça? Parce que je connais au moins deux personnes qui écrivent des livres pour enfants, mais connait est-ce que nous même dans la bibliothèque nous inclus des choses du genre? Oui, on a beaucoup de livres pour enfants, bien entendu, une bibliothèque ne se crée pas du jour au lendemain. L'école a 35 ans, on a des livres, je ne vais pas dire de 35 ans, mais on a des livres quand même qui sont là depuis longtemps. Effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver des livres où l'enfant se retrouve. Okay? Mais au fur et à mesure, chaque année, on achète peut-être 2, 3, 4, 5, une dizaine, une douzaine de livres jusqu'à ce que la bibliothèque puisse avoir justement des livres pour les enfants de tout âge qui se retrouvent à l'école. Moi, j'ai toujours raconté que le premier livre, moi, c'était le m'a fini, le gradué dans kindergarten, qu'on m'avait donné ça. Et puis, j'avais tellement aimé l'histoire que on a plein de raconter lui. Donc, peut-être que trouver les moyens, on m'a dit là, des excuses pour offrir des livres aux enfants, c'est voilà. Peut-être. Moi, comme éducatrice, des fois, moi aussi, je me gênais parce que dès que je fais un anniversaire, je donne seulement des cadeaux éducatifs. Ou bien un livre, un puzzle, ça doit être éducatif. Donc, des fois, je me dis, quoi, si mon âme joue avec vrai, ou quoi, c'est juste si mon âme joue avec ça vraiment. Mais moi, j'essaie, je continue.
Et je pense aussi que c'est une bonne manière justement de permettre aux enfants d'être en contact avec les livres, avec tout ce qui peut justement éveiller leur cerveau. Parce que c'est vraiment la meilleure tranche d'âge, un enfant par exemple d'âge préscolaire, de pouvoir lui offrir le maximum de stimulation possible. Donc, tu peux, est-ce que tu peux me dire, c'est, par exemple, dans Timon, nous avons là, ou bien que ou est qui vraiment un penchant pour ça déjà? Pourquoi la lecture? Oui. Et mes enfants aiment lire. Je dois te dire que mes enfants aiment lire parce que on a toutes sortes de livres à l'école. Il y a les livres sans mots du tout, c'est juste les images. Comme ça, ils ne, même si. Oui, parce que avec la technique, bon, pas avec avancement temps, parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas de même quand lit du tout, mais il y avait les livres que tu pouvais lire dans l'eau. Voilà, justement. Le matériel te permet de mouiller ça. Donc, ça devient littéralement un jeu pour l'enfant d'avoir son livre de ses mains, de tourner les pages, de modeler, de voyer, de faire ça avec elle. Donc, à l'école, on a vraiment beaucoup de moments de lecture et je pense que les enfants apprécient. Et puis, la manière de lire aussi fait une grande différence. Quand tu fais le temps de voir, finalement, la lecture devient comme un théâtre, une pièce de théâtre pour les enfants. On les fait participer, etc. Donc, vraiment, c'est un moment agréable dans la classe. Et puis après ça, qu'ils peuvent venir, qu'ils puissent venir à la direction me dire, « Valérie, j'ai lu telle histoire, laisse-moi te raconter. » Et puis moi-même, je suis là, like, « Dis-moi. » Donc oui, c'est vraiment intéressant. Les enfants aiment ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une différence que vous avez déjà commencé à sentir un petit monde qui remet l'IO avec ça, qui n'est pas vraiment forcément intéressé à ça? Peut-être tu comme... as vu que les enfants qui lisent ont un vocabulaire plus développé, beaucoup plus avancé. Mais on peut argumenter que Timon qui tout le temps regarde un film, alors feuilleton, mais quoi que ce soit, pareil pour Timon toujours, sur YouTube là, ou bien sur Netflix, là, le vocabulaire est très avancé. Tout. Tu sais, les études ont montré qu'on n'apprend pas à parler en regardant la télé. Pour apprendre à parler, il faut avoir un retour, il doit avoir une conversation. C'est vrai que j'ai remarqué cette année particulièrement, depuis quelques années d'ailleurs, que les enfants parlent de plus en plus anglais parce qu'ils regardent beaucoup de choses sur YouTube, etc. Il y en a qui ont même l'accent. Oui, parce que vraiment, ils peuvent capter rapidement, mais pour vraiment développer ton langage, pour apprendre à parler, pour avoir une quantité de mots de vocabulaire, il faut vraiment que tu sois en conversation avec quelqu'un ou bien que en lisant justement, ton cerveau puisse capter les mots et les retenir. Parce que quand tu vois, il y a la mémoire photographique aussi qui te permet justement de retenir les mots de vocabulaire que tu vois dans ton livre. L'autre importance que tu as quand même, justement, c'est de parler du petit voix, c'est ça va avoir un effet sur l'orthographe. Voilà. Sur l'orthographe. Donc, automatiquement. Tu peux écouter les mots et connaître les mots pour pouvoir effectivement dire et les mots. Mais tu ne peux pas les écrire. Voilà. Et même si de temps en temps, on a écrit de moins en moins à la main, mais tu vas toujours devoir écrire. Bon, moi, je trouve que c'est malheureux de voir à quel point, justement, les enfants d'aujourd'hui perdent leur orthographe parce que, à force d'écrire sur WhatsApp, oui, avec tu écris ce que tu veux, tu écris comme tu veux, dès que ma personne peut prononcer ça. Mais tu vas te retrouver dans des situations d'ailleurs dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui, où tu dois écrire des lettres à des personnes d'un certain niveau, tu ne peux pas utiliser n'importe quel français, etc. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que un mot facile comme, je ne sais pas, un mot super facile, et puis tu te dis, mais je ne sais plus écrire ce mot. Je suis toujours en train de Google pour être sûr que j'ai bien écrit, alors qu'il y a peut-être quelques années de ça, où j'écrivais moins sur WhatsApp, justement, il y a des questions que je n'allais même pas me poser, l'orthographe venait automatiquement. Il y a un phénomène anglais à tout qui fait que tout le monde. Exactement. Vous parlez anglais, ou bien que quand tu écris sur WhatsApp, tu vas mettre les choses en anglais, et puis au final, ton orthographe s'en va. C'est ça. Maintenant, la langue se perd, l'orthographe se perd, tout se perd. Donc, si on continue à lire, justement, là où les livres jusqu'à présent sont bien écrits, ça te permet de garder quand même un certain niveau avec la langue. Et quelle que soit la langue. Mais là, l'école, ça, c'est l'école qui en français. Vos livres, vos manuels sont surtout en français. En français, oui. Donc, ça veut dire que la lecture que Timon a commencé à faire dans la salle, de toute façon, moi, je pense que l'école moi fait créole très tard. Le créole commence à. De plus en plus maintenant, on commence à enseigner le créole plus tôt dans les écoles. Donc, on a quelques livres, on n'en a pas beaucoup malheureusement, mais on a quelques livres. La production haïtienne déjà en français était maigre, donc exactement. Comme si pour créole là, c'est encore mieux. Oui, mais on encourage quand même les enfants à commencer à faire la lecture en créole aussi. Il y a tellement de personnes, surtout pour peut-être la génération parmi nous, qui a parlé, etc., mais qui n'a pas écrit le tout. Justement. C'est vraiment très tard que j'ai commencé à lire des livres en créole. Okay. Parce que
le choix n'était pas pratiquement. Non, il n'y a pas un grand choix. Il n'y a pas un grand choix, malheureusement, mais on encourage ça, tu vois. Parce que quand même, on vit dans un pays où on a deux langues, on parle les deux langues, donc autant savoir écrire les deux langues. Oui, en effet. Mais là, maintenant, tu me dis que vous faites beaucoup d'activités, mm-hmm. par exemple. Tu me donnes des exemples d'activités qu'on pensait qu'on parlait qu'à faire avec Timouni pour stimuler l'intérêt pour la lecture. Oui. Bon, c'est pas un matériel, mais que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, qui est justement très facile à trouver, c'est les petites lettres avec aimant qu'on utilise sur les réfrigérateurs. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Ça, tu peux tellement faire de choses avec. L'enfant se baigne, tu peux utiliser. Pendant que l'enfant se baigne, on peut choisir, on va prendre les A, on va prendre les B, on peut pêcher avec peut-être si l'enfant est en train de se baigner dans un bassin, on a un petit gobelet, on peut ramasser les A seulement, on peut ramasser les E seulement. Déjà, tu introduis l'enfant à la lecture. Et quelle autre activité? Moi, je pense juste tout ce qui est physique. Ça veut dire que la maman ou le papa, le responsable de l'enfant, peut écrire des lettres par terre, on va sauter seulement sur les A, on va sauter seulement sur les B. Ou bien on va appeler son nom en sautant. On va sauter sur V, on va sauter sur A, on va sauter sur L. Et puis l'enfant ne se rend même pas compte qu'il apprend à appeler et qu'il pratique aussi son orthographe à ce moment-là. Est-ce qu'on peut écrire papa? Oui, je peux écrire papa. On va sauter de P, on va aller à A, on va retourner à P, on va aller à A. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités. Et moi je dis toujours, et c'est ce que je prêche aussi à mes écoles, bah, acheter matériel cher. Tu vois? Je veux des matériels que les enfants peuvent reprendre chez eux ou que les parents puissent reprendre chez eux avec les enfants. Donc, ça veut dire que moi-même, si tu vas à la toilette de l'école, tu vas avoir plein de rouleaux de papier hygiénique parce qu'on a vide. Parce qu'avec les papiers hygiéniques vides, il y a tellement de choses qu'on peut créer pour les enfants. Donc, vraiment, nous, on prône tout ce qui est autour de nous doit pouvoir être un matériel. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc là, on parlait justement de comment que nous allons recycler tout le bagage mm-hmm. pour que nous allons toujours continuer à utiliser. Mm-hmm. Et avec tout ce qu'il y a et que les sorties, c'est pas fin trop évident. Donc pour moi, lecture après toute importance toujours parce mm-hmm. que là, peut-être que c'est peut-être le moyen de passer plus de temps en famille et de trouver plus de temps pour lire. Mm-hmm. Donc pour conclure, Valérie, tu as des suggestions peut-être de qui ça que les parents ça avec Simone, y a qu'à faire pour plus ou moins continuer le travail que l'école là t'es déjà entamée. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je demande 10 minutes seulement chaque soir avant de dormir. D'ailleurs, la lecture permet d'avoir un meilleur sommeil. Ça te met au repos, ça te met au calme. Jusqu'à ce que moi je commence un long livre hier soir par exemple. Et puis tu n'as pas donné. Si pratique tellement bon, comme tu dis. Une dernière page. Une dernière page. Voilà. Oui, mais pour les enfants, surtout les enfants d'âge scolaire en général, 10 minutes de lecture avant de dormir, ça les calme, ça te donne de meilleures conditions de sommeil. Et c'est un moment de qualité aussi que tu peux passer avec ton enfant ou bien avec ta nièce, l'enfant qui est avec toi. Donc, moi, je recommande aux parents de trouver les livres que les enfants aiment. C'est ça, je voulais uh-huh. vraiment revenir sur ça parce que des fois, il n'y a pas quelqu'un qui dit aux parents, mais lis, mais... Bon, j'en ai l'intéressant. Pas trouver le style qui les intéresse. Voilà, peut-être que vous ne devez pas aimer le roman, mais c'est, mm-hmm. tu es dans l'éducation toi-même. Si vous avez un mari qui a formé sur l'éducation, vous ne devez pas seulement envie de déposer. Voilà. Voilà, donc c'est de trouver justement les livres qui intéressent les enfants. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être. J'ai des enfants à l'école qui aiment les encyclopédies, ou pas penser ça. Mm. Donc c'est vraiment essayer de découvrir le style de l'enfant et puis l'encourager. Ça, vraiment, si un parent prend le temps de le faire chaque 10 minutes le soir, le parent va me remercier après. Je vais un résultat. Je m'espère que ou même qui a regardé l'émission, ça, si vous avez des gens ou bien vous avez des gens dans l'entourage, que vous pouvez pratiquer ça avec les tout, ou bien vous pouvez même dire nous tout, qui ça que vous habituez à faire avec les gens pour là, pour partager le conseil avec l'autre monde, parce que on a besoin de trouver une meilleure dynamique. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas quitter ça. Aller. Il faut mm-hmm. commencer effectivement avec les enfants pendant que l'esprit est vierge. J'aime bien ça, parce que l'éducatrice là, tout. Pendant que l'esprit est vierge. Pour dans 10 ans, peut-être, si nous avons, comme je te disais, toujours changé, les mm-hmm. recevoir de recevoir dans le kindergarten. Et dans le premier, je suis gradué, j'ai fait un cadeau, un livre Sissi l'impératrice. Et jusqu'à présent, je l'ai. Depuis 2012. Wow. Oups, j'ai donné mon âge. Donc, voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Ma première, c'est Valérie, qui était, bon, et moi, Tevin Joanie, mais quand oui. même, qui est là avec moi. Merci d'avoir fait le déplacement, Daphné. Et là, moi, je retourne à mon studio. Hein? Voilà. Et voilà, on va mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui.
Merci vous-même qui t'a regardé, merci Valérie Lamy qui était d'accord fait parler ça avec nous. M'a profité tout pour remercier tout le monde qui rend l'émission ça possible. M'a remercier Heineken 00, Belle Optique, Focal, Titato, Studio Beauté Beauty, La Momo, c'est Gaël Alexis qui fait maquillage, moi comme d'habitude.